Eh bien, salut tout le monde, c'est TheCrimby31 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de mon LP sur Borderlands The Pre-Sequel. Donc on y va tout de suite, donc le cluster Pandore. Et oui, je sais, ça fait un moment que j'ai pas sorti d'épisode, donc le LP n'est pas mort, n'ayez pas peur. Donc voilà. Allez, gros, c'est parti, on y va, on va explorer le cluster Pandore. Donc c'est Pandore. Voilà. Avec un beau ciel. Donc là, il y a le Dr. Z. Bonjour, tu bug. Ok. Bon, apparemment, on peut pas lui parler, hein, il a. Bah donc c'est parti, on y va, on avance. On a des zombies. Et bah, on va les tuer. Hop. On va lancer en tête quand même. On va les sniper quand même. Ah merde, il est plus proche que je pensais. Allez, meurs. En fait, je vais reprendre ma mitrailleuse. Était pas mal en fait. Donc, alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est un peu mieux tout de suite. Voilà, c'est mieux. Allez. Par contre, elle c'est pas très précis donc. Bon. Voilà, l'esprit commence bien avec un peu de combat. Donc bon. Donc voilà, on a mon petit truc. 100% bande de minables. Rien voir, on a ça là-bas. Ben très bien. Ah non. Cheval de 3. Ah, un virus. Charles, il faut le détruire. Allez, allez, connard. J'ai plus de munitions. Allez, va niquer, on va te faire enculer. Voilà, dans son cul. Hop, donc il faut camper. Ok, mais il m'a complètement esquivé. Hop, on part là, on part là. Hop, et il est solide. Sérieux. Franchement. Je sais que je parle pas trop. Hein, hop. Allez, il y en a combien de cheval de 3? Il y a un paquet de virus, hein, notre petit claptrap. Hein. On va franchement installer Avast, hein, dans claptrap. Ça en devient presque. Oh, non. On a ça, il y a un truc pour véhicule, bah voilà. Apparence véhicule, fait plaisir. Hop. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Un kit de soins, bon, ça pouvait m'aider. Ça va plus. On a un coffre ici, de l'argent. Oui, de l'argent. Non, c'est l'exact. J'essaye de voir c'est avec quelle touche déjà qu'on fait pour D'accord, donc ça c'est pour choisir l'arme. Ok, donc c'est les. Wow. Je m'en mettre des contrôles et en parlant de ça. Je vais peut-être changer un peu mes armes. Mettre un pistolet. Trickshot, window, mais cool. Ça a l'air stylé. Celui-là, il me dit bien 4000 dégâts, lui il fait 5000. Mais voilà. Et bien on va le mettre à la place de quoi? Il fait beaucoup plus mal. Ouais, on va mettre à la place de ça. Ça, voilà. Au moins on aura toujours une arme. Bon, par contre, il faudra que je fasse gaffe aussi aux munitions. Donc, voilà. Donc il faut récupérer les codes source H. Donc c'est ça là. Bon sang. Hop, ah tiens. Ouais, ça craint. Mais bon, c'était prévisible. Ça ira mieux si je dis encore pardon. Oui, évidemment.
ou pas. Ouais. Quelqu'un est passé par là et l'a bien démoli. Mais je peux vous aider à le réparer. Tous les morceaux du pont sont à proximité. Je vais afficher le premier sur votre système écho. T'as entendu le bonhomme? Ou ce tas de codes binaires? Bon. Va chercher le premier morceau du pont. Zed a toujours été gentil avec moi. Hop. En fait, il est puissant, ça, pour aller. Trop puissant. Oh, j'adore ce pistolet. Il est trop bien. Tiens, le bout de pont est coincé dans une espèce de grumeau de données. Je sais pas, oui. T'as qu'à le faire péter. Je vais le faire péter. Voilà. Ah, un bug solide. Eh ben, je trouve que j'ai des défenseurs contre le bug solide. Hop. Bon, il y a beaucoup de bugs. Je viens de libérer des bugs. Notre touriste, vous venez explorer les vestiges d'une civilisation éteinte. L'emplacement du deuxième morceau de pont s'affiche sur votre système écho. Bon, alors c'est parti. On y va. Donc, on va chercher les morceaux de pont. Voilà. Alors il y avait Tanis, il y a Iska, des amis. En tout cas j'adore je kiffe ce pistolet putain. Il est trop bien, il est génial, j'avais négligé au début, bah en fait je ne néglige plus tellement. Et là qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a de la lumière. Oh okay. Voilà. Ben voilà, on peut tout faire. L'impression qu'on l'aide juste à nettoyer ses détritus. C'est la partie émergée d'un iceberg. Tu vois ce que je veux dire? Hey, c'est pas gentil. Oh là là. Encore une fois, le super héros de Jack. Hein. Oula, c'est chiant. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il devient super précis. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Il devient. Je sais pas ce qu'il devient, mais. Il est devenu, je sais pas, qu'est-ce qu'il est devenu. Alors, on a des bits volatiles. Allez, c'est bien, tu vois, ça ne fait pas grand chose. Oh, j'ai un pouvoir. Mon pistolet a un pouvoir. Ah non, bah, bon, déjà, je sais pas ce que c'est là, c'est là. Ah oui, c'est là où il est précis du cul. Ravi de vous revoir ici. Sérieux? Mais comment un morceau de pont a pu se coincer là-dedans? Ouais, c'est trop génial! Pourquoi c'est si haut? Cette monstruosité tient lieu, je le crains, de furoncles permanents sur un site de fouilles pourtant remarquable. À moins bien sûr qu'on ait eu une pelleteuse géante à disposition pour défoncer sa vilaine tête. Mais malheureusement, moi aussi, j'ai mes limites. Toutefois, jusqu'à récemment, cette foreuse-là était à l'endroit idéal pour lui décalquer sa tronche hideuse. Attends, une foreuse géante? C'est fantastique! Ok, je vois quelque chose plus loin dans le code. Une minute. Et si je coupe? Ici a fait Jack. Colle. Super! Ça marche. Voilà. Bouya, c'est pas classe ça? La classe à Dallas! Alors une fois, toujours aussi drôle, mais. Par contre, il fait quand un peu déconnecté. Je suis sans voix, mais il est fort probable que j'ai à nouveau des visions. Cette fois, c'était pas moi. Ok, je suppose que déplacer les trucs rend la mémoire instable. Je ne referai plus jamais ça. Bon, t'as qu'à appuyer sur le gros bouton pour libérer le morceau de pont. Et où est son gros morceau? Oh putain, il est loin. Il faut aller là-bas. Et là, hein, son gros bouton, bon, déjà... Je vais lui demander de gentiment me heal. Voilà. Et la musique. Ah, une grenade. En tout cas, j'adore ce flingue. Il est génial. Voilà. Oula. Donc, t'es vraiment bouton rouge, c'est ça? Non. Pas comme les autres.
Vas-y gros, bouton rouge, je fais un bouton rouge. Mais qu'est-ce que... Mais la batterie a lâché. Un problème facile à résoudre. Il y a des bandits pas loin et ils ont une batterie. Vous trouvez, vous pouvez... Non, personne n'a été... Je perds le système écho. Ok, donc on prend de la batterie. Et elle est où, sa batterie? Sans musique. Sans musique. Ok, il faut falloir qu'on avance. Et il est... Il est où? Je vais faire des conneries. C'est la batterie. Okay. C'est bon. Branchez la batterie sur la console à l'aise. Hé, regardez! Tu as coupé la musique. C'est la foule. Prends-le, notre batterie. Le jour où la musique est morte. Hé, hey, on ouais. Est en train d'écouter, là. D'accord, c'est en train d'écouter la musique. Moi, je dis, on va aller snob. Hein. Ok. C'est tellement... à l'économie. Allez, maintenant. Wow. Alors, on va voir ce qui va se passer. Wow. Wow. C'est géant. C'est ça qui est bon. Ce bleu, il va t'en. Bravo. Oh, tu m'as débarrassé d'une mocheté et débloqué mon projet d'un seul coup. Ben voilà. Shoot dans le bébé. Mais c'est génial, ça. On a réussi. Bon, maintenant qu'on a récupéré, il faut qu'on brise le petit souvenir erroné là. Souvenir erroné de trap trap. Et eux, tu vas sauver les souvenirs erronés. Sois fidèle à tes valeurs. Ouais. Bon, faut que j'aille récupérer le truc. Voilà, et un morceau de pont. Voilà. Tu veux ce troisième morceau ou pas? Regarde ton système écho, rendez-vous là-bas. Eh ben, on va là-bas, c'est parti. Sans essayer de mourir. Je me rappelle son arrivée à Firestone. La vache, ces bandits n'ont rien vu venir. En partie parce qu'elle était invisible la moitié du temps. Allez, il faut qu'on termine ce pont. J'ai l'impression que c'est toujours à moi. Je vais bien faire le boulot. Oh. Résistant à mon pistolet. Ah, oh, c'est bon d'être riche. Donc c'est où? Alors je crois que j'ai au bon endroit. Ouais, hmm? Pas au bon endroit du tout. Donc pourquoi est-ce que je prends les bits cibles, non? Ah, c'est pas là. Voilà. Rapide, ça fait ce flingue est bien. S'il est pété, regardez, j'ai au milieu, c'est bien. Donc je vais recharger pour garder pouvoir. Ça, c'est assez génial, je trouve. Donc, on remonte. Voilà. Je pense que on va finir le pont et après, ben, vous savez quoi, hein, on peut dire merci, Skype. Merci pour ce petit moment de joie. Hop. Donc voilà. Alors 2 secondes, je vais juste faire une ellipse vite fait pour régler Skype. J'arrive tout de suite. Voilà, bon, passé en 2 secondes, donc voilà. Hop. Encore désolé. Désolé du super air horn, hein, voilà. Encore une fois. Donc j'ai n'importe où, donc on va récupérer l'autre partie avec ce ciel, je me sens pas un ciel. Ah, y'a un bug. Voilà, dans son cul. On l'a eu. Là on continue et on va on va là, à la limite qui va nous aider. Le fragment de pont est par ici. Ce secteur est vraiment défectueux. Ok, donc on va dans un endroit défectueux. Ok, donc on tombe dans le trou. Hop. Oula, ah oui. Hop, et on rentre dans le vide. Et oui. Là, le dernier morceau de pont est au sommet. Vous pouvez l'avoir en sautant. Ok. Bon, maintenant, on a de l'air. C'est une réplique de
putain d'un film très connu. Enfin, faut quand même respirer. L'environnement fait partie de la simulation. Ah voilà. Qu'est-ce que tu fais? Hop. Faut que je fasse gaffe aussi parce que si vous regardez en bas, j'ai une barre de 2. J'ai que ça la flemme de vous la montrer, mais vous voyez ce que c'est, hein. Ok. Voilà. Des bugs volatiles qui explosent, d'accord. Franchement, j'adore ce pistolet, mais j'ai bientôt plus avoir trop de munitions, donc voilà. De refaire avec la mitrailleuse. Alors, ce que je vais faire pour. Je vais prendre des expériences, et voilà. Comme ça, ça augmentera la précision. Niveau d'oxygène à 50% et en baisse permanente. Aïe, bon, je suis dans la merde. Et mais, qu'est-ce que tu fais, connard? Là, je me pose une question. Déjà que je vais plus avoir beaucoup d'oxygène. Ah, tout ça me régène de l'oxygène. Mais je m'en tout alors. Putain, je sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Ça me stresse. Bon, on va monter par là. Je sais pas. Ah non, ça fait rien. Alors voilà, je crois que c'est ça. Et voilà. C'est que ce code part en sucette. Ouais, je suis juste là pour info. Donc voilà, avec la trappe qui est très content qu'on juge son code. Est-ce que ça me régène un peu les munitions pistolet bouquet? D'accord, 76. Tu veux. Ah oui, c'est Skow, ça rajoute des munitions. C'est pour ça. Regardez en bas. Il y a Skow. Et en fait, c'était fait me rajouter des munitions. Bon, je pense que vous en battez les couilles. Donc, on va essayer de rattraper ce code vitef. Parce que là, ça devient la merde. Donc, j'ai 67 munitions, mais c'est bien ça. Ça rajoute plus de munitions à chargeur. Et 67 munitions, je sais pas si vous avez vu le chargeur de mon pistolet, mais. Dans le monde de Borderland. On a fait des progrès technologiques pour rétrécir la taille des balles quand même. C'est vachement bien. Par contre, ce problème c'est que le truc il est là-haut, je le vois. Je pense qu'il faudrait y aller en sautant. T'arrêtes pas à croire en toi. Par ici. C'est bizarre. Les voies des projections sont brouillées. Ouais, mais il doit y avoir un virus ou quelque chose dans le genre. Ils ont l'air malades. Hop. Donc c'est parti. Hop. On va là. Et là on est pas loin de notre truc. Waouh, vous avez pris votre temps. Eh oui, on est allé lentement. Eh oui, je suis allé lentement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 300 munitions, bah c'est plutôt bon ça. Moi j'y vais, hein. Allez, on va tuer du bandit. Hop. Alors, on va voir. On va. Voilà. Là, il y a une porte ici. Je sais pas où est-ce qu'elle mène, mais on peut pas y accéder pour l'instant. Et ben voilà. On récupère notre morceau de pont. Pour repasser par la même entrée. Je vais vous indiquer une sortie. Voilà, hop. Ouais, bon, la sortie est à 3 mètres. Va retaper ce pont et récupérer mon code source H. Et voilà. Donc, c'est. Ben voilà. Hop, on va. On y va. On va chercher notre précieux code. Enfin, on va plutôt refaire notre pont. Allez chercher notre pont. Il suffit de marcher dessus. Faites-moi confiance. Voilà. En fait, pas besoin de marcher dessus.
enfin. Et ben voilà, on a fait le pont. Tu sais, si le code source H contient ne serait-ce que la moitié des programmes et prototypes que ce qu'on raconte à Hyperion, je vais devenir un dieu numérique. Et je serai plus riche que célèbre. Ou plus célèbre que riche. Je sais pas, on perd du temps. J'embaucherai des gens pour y réfléchir. Bon, et ben voilà, je pense qu'on va continuer quand même tout ça. Et je vais m'arrêter là-bas. Vous voyez là où il y a le petit truc. Donc on va franchir le pont. D'abord on va tuer ces swap bugs. C'est Essaimer. Comme le jeu aime l'appeler. Et ben voilà. Bon. Les chasseurs de l'arche l'ont tué. Du moins, c'est ce qu'ils concluent. Souvenir. Bon, ben, vous savez quoi? Eh ben, pour le prochain épisode, on va s'attaquer au volcan. Voilà, on va s'attaquer au volcan. Donc, vous savez ce que je vous dis. Du mot comme vous le connaissez. Eh ben, on se retrouve pour le prochain épisode. Bye!